Press start to play. Bonjour à tous et à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Tomb Raider version Oldies. On est sur, bien sûr, Tomb Raider Master Head, sorti sur PS4, PS5, Xbox, PC et Nintendo Switch, le 14 février 2024. Donc on est au troisième niveau du Pérou, et pourquoi je joue avec le joystick alors que c'est avec le FGX que je jouais. Alors attendez, du coup j'ai quoi? Je crois que j'ai les trois, j'en ai deux. Je sais plus combien d'infos. Du coup, je sais plus. Ça, je crois que je l'ai fait. Il me semble que ça mène au pont qui est tout là-bas. Je sais plus où. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va continuer donc ce niveau. Je pense qu'on est pas loin de la fin. Mais j'espère. J'aimerais finir le Pérou sur les deux prochaines vidéos. J'aimerais finir ce monde-là. Alors, ça y est, j'ai commencé, il y a déjà des vidéos qui sont apparues, au moment où je tourne, il y a déjà des vidéos qui sont apparues sur Tomb Raider Remastered, et je n'ai vu aucune vidéo à part celle de notre ami Adeline on game. Mais sinon, j'ai pas vu tous les autres, je n'ai rien vu. C'est normal. J'ai pas envie de me faire spoil sur certains trucs. Après, comme j'ai dit, après, il y a Tomb Raider que je n'ai pas fini, comme Tomb Raider 2 ou 3, où je connais très peu la fin. J'ai pas envie de me faire spoiler dessus, j'ai pas envie de non plus qu'on montre trop les nouveaux décors. Alors, je vais regarder bien sûr le live d'Adeline qui aura lieu ce soir pour moi, parce que je tourne à jeudi. Ouais, elle va faire bien sûr le Tomb Raider 2 parce que bon, voilà, j'ai envie. Tomb Raider 2, encore ça, je connais à peu près. C'était surtout le 3 et tout que je connais pour ça. Mais après, voilà, je soutiens les petits youtubeurs comme moi, et pas les gros. Mais voilà. C'est qu'elle a fait aussi son aventure de son côté, comme plusieurs copains youtubeurs, jeunes youtubeurs, petits youtubeurs qui font aussi leur aventure de leur côté, et que je vous conseille d'aller voir aussi. Pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les gros youtubeurs pour voir de Lara Croft, hein. Je vous dis, il y a des très très bons petits youtubeurs qui font ça très bien. Alors, normalement j'ai trois roues, alors je sais plus où ça mène ça, donc je vais aller voir. Je crois que ça mène vraiment au pont suspendu. J'ai un doute. Ça mène au pont suspendu, je fais demi-tour. Hein. J'ai pas beaucoup de vie. Oh là là, mais à chaque fois que je fais ça, mais je risque ma vie là. Je rappelle que dans la dernière vidéo, ça mène au pont suspendu, ok. Je rappelle que dans la dernière vidéo, la vidéo précédente, on est mort deux fois parce qu'on est tombé. Comme des cons. Voilà. Ouais, j'ai perdu un peu de vie, c'est pas grave. Alors, le sens de l'orientation et moi dans ce jeu, c'est horrible. Je crois que c'est par là. Rappelez-vous, au début de ce niveau, j'avais dit on va monter tout en haut parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut. Et du coup, on est descendu parce qu'on est tombé comme de la merde, mais du coup on est obligé, maintenant on va être obligé de remonter là où on était, on va être obligé de remonter. Alors c'est par là donc, je crois, ouais, c'est là que, comme je dis encore une fois, j'ai pas mal de souvenirs de Tomb Raider. Alors j'ai quelques souvenirs bien sûr de ce Tomb Raider là, parce que c'est quand même le Tomb Raider de mon enfance, c'est celui que j'ai passé quand même pas mal d'heures, surtout sur le niveau du Pérou, mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs de anniversaire, donc du fameux remake pour les 15 ans de la série. Alors, on va faire comme ça. Alors, où le cheminement en fait avait totalement changé. Alors attends, j'ai envie de voir ce qu'il y a par là, parce que je crois qu'on n'est pas allé voir hier, c'était pour moi hier, là où ce chemin là, je sais plus. Ah ben y a rien. Ok, tu viens là, tu tues 3 ennemis et t'as que dalle. C'est un arnaque. Ah ouais, mais c'est la grosse arnaque. Total, t'as juste 3 ennemis. Tu viens là, tu tues 3 ennemis et t'as plus rien. Enfin, si j'ai dû prendre l'objet, je pense qu'il devait y avoir.
Et puis voilà, donc du coup, le chemin il est là si j'ai bonne mémoire. Voilà. Alors maintenant, le plus dur c'est de trouver le bon chemin pour monter parce que ça va être un peu compliqué. Parce que vous pouvez voir, il y a beaucoup de trucs en pente. Arriver à trouver le bon chemin là, je pense que c'est là. Et oui, bien sûr, je me trompe de touche pour sauter, c'est très bien. Alors, là, je vais sauvegarder par contre parce que j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Tu vois la boussole? Ça indique un secret sur 5. Ah ouais la vache, on est loin. On est très très loin. Mais encore une fois, je le redis, je ne suis pas là pour faire le 100% du jeu avec tous les secrets et tout ça. Moi personnellement, les secrets, c'est pas mon trip. Ok, on va essayer de là-haut. Je sais. Charger la partie. C'est cool parce que maintenant il n'y a plus de temps de chargement. Et je préfère faire ça que de me retaper tout le chemin en fait. Du coup, je triche un peu. Voilà. Ça, c'est un saut qui n'existe pas en vrai. Les sauts de profil n'existent pas. Ok. Ah, c'est sûr que j'allais prendre le mur. Et plus rien. Voilà. Donc c'était là. Et est-ce que j'ai tous les trucs qu'il faut? J'espère parce que honnêtement, si j'ai pas tout ce qu'il me faut, je sais pas du tout où il faut aller. Donc j'ai un peu peur. Alors. 1. 2, 3, c'est bon. C'est bon, donc en fait, ouais, il fallait pas aller tout en haut au début, il fallait vraiment faire tout le bas. 2. Et 3. Allez, activons maintenant le levier. Ça fait quoi? J'ai pas compris. Ça a arrêté là. Ça a fait quelque chose pour moi? Je sais pas du tout ce que ça fait. Ça a arrêté. Ah, d'accord. Ça a bloqué le. C'est pas la fin du niveau. Niveau, je sais plus moi. Les niveaux se terminent pas là. D'accord. Je redécouvre des choses. Moi, pour moi, c'était la fin du niveau.
c'est la fin du niveau là. J'ai vraiment plus de mémoire. Ça fait tellement longtemps. D'accord. J'ai trouvé un secret. Ok, j'ai vu. Pour moi, ça signifie la fin du niveau en fait. Normalement, ça ouvrait. Normalement, j'ai atterri en bas et. J'ai atterri en bas et ça m'a ouvert une nouvelle zone pour accéder au tombeau, je crois, de Tiokan, si je me trompe pas. Non, j'ai pas de souvenir. Vraiment pas. Là, je redécouvre vraiment avec plaisir. Alors. Hop, on va sauvegarder. Même si je pense que j'en suis plus très loin de la fin, je préfère. Voilà pourquoi. Ok, passage là-bas. Ah, j'ai bloqué toute l'eau. Ah ouais, ah oui, d'accord, je suis revenu au début du niveau. Ok. Donc le passage par là, c'est ce qui nous permet d'accéder. D'accord, donc à mon avis, il faut descendre par là. Sinon, on est mort. J'ai vidé tout le. Non. Non, mais par contre, ça va me permettre d'accéder en bas de la cascade, peut-être. Je sais plus. Pour être honnête, je ne me rappelle pas. Ah, c'est là. Voilà. Ah, j'aurais juré que c'était dans l'eau. D'accord. J'aurais juré honnêtement que c'était dans l'eau. Tu vois, je me suis totalement planté sur ce coup-là. Ok. Ok. Non, putain de ma merde. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait la même bourde que la dernière fois. Je me suis trompé dans les temps de chargement. Dans le truc. Donc c'est pas grave. On est à la fin, en tous les cas. Ah, je vais trop vite. Je vais aller trop vite en fait. Comme ça maintenant, tellement que j'ai peur de me prendre mon truc. Donc moi je pensais qu'il y avait une zone qui s'ouvrait ici en fait. Pas sur la cascade bien entendu, donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris. Encore une fois, peut-être je confonds avec ton mois d'anniversaire. Sauvegarder, on va sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Putain. J'ai tellement pas l'habitude. Bon, on a combien de munitions maintenant? 2, 8. Ça va, ça monte. Alors, le fameux tombeau de Teokan, si je ne me trompe pas. Donc, ok, on a un levier là. Mais je crois qu'il y a un truc à faire ici d'abord. Deux portes. Et là, c'est refermé. Ok. Dans tous les cas, on peut pas y accéder. Bon, ça, c'était connu, là. La boule est très connue. Ah putain, c'est derrière! J'avais oublié qu'il y avait une porte là. Au secours! Alors, qu'est-ce qu'on a?
4, 3 embranchements. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sauvegarde là. Attends, ah, c'est pas la tombe de Teocan. Ah, Teocan, c'est plus tard, ouais, c'est la tombe de Kolopek. Ah, Teocan, je crois que c'est plus tard. Il me semble que c'est notre. C'est pas en Égypte. C'est dans le deuxième lieu. En Grèce. Le manoir, c'est Francis, il me semble. Alors, attends. Là, si j'ai bonne mémoire, il y en a un qui pige. Oh, le bâtard. Ok. Ok. Donc, ok. Ah, d'accord, très bien. Donc, on va faire ça. Ok, donc là, normalement, il doit s'être rapproché de moi, c'est ça? Ouais. Alors, attends. D'accord. Je ne peux pas. Il y a un passage là déjà. Ok. Ok. Donc là, il y a un passage là. Là, déjà. On peut aller voir ce qu'il y a. Ok, on a activé un truc. What? Non, j'ai fait quoi? Ah, oh, punaise. Ah, génial. Je sais plus par où il faut passer. Là-bas, c'est trop chaud pour y arriver. Parce qu'en plus, là-bas, il y a les pics. Donc, on va éviter de tomber dans les pics. Parce que sinon, ça fait pic-pic. Ok. Donc, c'est là. Il faut que je remonte. Voilà, je pense qu'on va passer du temps dans le tombeau de Kolopek. Voilà, là. Là, on est bon. De toute façon, là-bas, on peut pas y aller. Ah, j'ai pas du... D'accord. Attends, on va faire quelque chose. Faire ça. Bon, jusque-là, on a été bon. Aussi, donc on va avancer doucement. Ok. Voilà, doucement. Ok, j'ai rien d'autre comme chemin. Voilà, là. Là, et ensuite, c'est quoi? Ah, voilà, là. Ok, c'est là où je suis tombé tout à l'heure, donc on va passer par ici. Perdu. Et je reviens là. What? Ok, donc ça en fait c'était le chemin du retour. J'aurais pas dû faire, mais c'est pas grave. Très bien. Le truc il est là-haut. Je suis paumé. Je suis littéralement paumé. À moins que... Attends. Parce que de là, là... Ok, attends, on va sauvegarder. On va sauvegarder parce que là, c'est un truc risqué que je fais. Là, je tente un truc. J'ai aucun souvenir, donc là.
C'est que là, si je me trompe, je me plantais. Je le savais, j'allais me planter. Je le savais. C'est pour ça que j'ai chargé la partie. J'ai sans garder une partie. Je savais que j'allais me planter. C'était sûr. Sûr et certain. Bon. On est là pour un moment, je pense. Mais on va éviter de regarder une soluce. C'est pas le but de regarder les soluces non plus, c'est le but de se débrouiller. Ok. Donc là, on est bon. Donc non, moi, si je me trompe pas, je crois que j'ai bien placé le truc. Enfin, j'espère. Oui, non, je l'ai bien placé. Parce que du coup, je peux accéder sur le chemin à droite. Ouais, à droite en sortant. Ouais, faire attention, on peut se planter facilement ici dans ce passage-là. C'est à partir de ce niveau que le jeu commence un petit peu à se complexifier par rapport à tous les trajets que tu fais et à tout ça. Hop, voilà, donc c'est là. C'est là que je vais aller. Ok, allons-y doucement. Très bien, le but c'est d'arriver de l'autre côté. Ok, très bien. Donc, d'accord, ça m'a déplacé là-bas. Ce qui me permettrait peut-être d'y accéder au mieux. Alors, attends. Ouais, c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Moi, je devrais pouvoir, ouais, y accéder assez facilement. Je suis allé trop vite. Voilà, j'y vais trop vite. Pas aller trop vite, ça sert à rien. Mais pourquoi je peux pas? Attends. Ah mais non, mais je... Comment c'est pas là, fallait... Attends, mais je sais plus. Ah, je suis perdu. Ah non, littéralement, je suis totalement paumé là, ça y est. Et oui, parce que là, oui, non, mais non, c'est moi. C'est moi, parce que là-bas, je peux pas y accéder. Mais non, il faut que je revienne en arrière. Attends. Là, normalement, il y a un chemin. Non, c'est pas celui-là. Je savais que j'allais me planter, mais c'est pas celui-là. C'est celui-là, tu vois. Est-ce qu'on peut y accéder encore? Oui, ah, voilà, c'est moi. C'est moi qui me cherche à me. À complexifier la chose alors que c'est pas rien n'est difficile. Pourquoi je me suis loupé? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ouais, j'ai fait une roulade, c'est tout ce que j'ai fait. Pourquoi je suis passé de l'autre côté? J'ai rien compris. Il faut tout refaire. Donc il faut que je fasse décaler ça en premier. Donc il faut que je monte là. Oh là là. Ah, il est relou ce passage. Il est relou. Allez, monte! C'est le dernier niveau du Pérou. Donc c'est pour ça. Et j'étais là. Dis-moi comment j'ai fait pour tomber et passer de l'autre côté. Surtout, je ne suis même pas tombé devant ce mur, je suis tombé là. Là, il faut que quelqu'un m'explique. Ok, donc ça c'est bon, ça on l'a fait, on a compris.
c'est ok comme ça. C'est bon. J'ai pas tout le monde à taper, quoi. Ah, mais je suis obligé. D'accord. Ouais, c'est pas assez haut. Ok, je suis obligé de tout me retaper. Tout remonter là. Eh ben, c'est une grenade naturelle, hein, Croft. Avec toute l'énergie qu'elle dépense, et tout... je comprends pourquoi elle est toujours aussi mince. Allez. On est reparti. Parce qu'on aime ça. Je crois qu'il n'y a que le premier niveau. La grotte que j'ai passée, que j'ai fait perfect. J'ai même pas eu besoin de sauvegarder. J'ai roulé sur le niveau. Le reste. Total. Là, on est bon. Et donc là, bien sûr, je ne vois pas où c'est. Ok. Alors là, c'est là où tu es le pro des sauts en diagonale. Allez, attends, on va sauvegarder parce que là, j'ai une chance ou deux de me prendre des pics. J'ai autant sauvegarder de ma vie sur un Tomb Raider. Surtout sur les anciennes générations. Ok. Bonjour. Ok, premier grillage se fait. Bon, le problème, c'est que je suis obligé de ressauter comme ça. Là, il y a des pics en bas. Allez. Ouvre la porte, check. Sur la gauche. Allez, on continue. Peut-être arriver à le finir avant la fin de cette vidéo, ce niveau. Ok. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là où il y a un piège. Là, j'ai reconnu le passage. C'est le levier piégé. Et voilà. Voilà. Bon, on va soigner un petit peu parce que là, on est un peu mal. Ok, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Ah, je rappelle, il y a trois loups, mais deux cadavres quand même. Je sais pas depuis quand les loups sont là, mais il y a deux cadavres. Je sais pas non plus depuis quand les cadavres sont là. Alors là, ah, il y a un truc, on a un truc à tirer, à pousser, peut-être. Non, je pense à tirer. Vu l'espace qu'on a, il faut le tirer. On a pas mal d'espace. J'ai l'impression. Est-ce que je peux encore le tirer? Non, je peux pas le tirer. Et là, est-ce qu'on peut pousser? Ok. Alors, on a le passage s'est ouvert. Alors, attends. Y a quoi en bas? Ah bah tiens. Heureusement qu'elle s'est pas accrochée, hein. Ok. Là, je peux monter. Ouais. Ça passe. Une autre trousse de soins. C'est bien, j'en ai perdu une, j'en récupère deux. Ok, porte ouverte, ça a été la puissance celle-là.
là, on revient. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc il reste. Ouais, c'est laquelle encore à faire? J'ai oublié. Putain, c'est laquelle la première que j'ai fait? Celle-là, non? Bon, c'est celle qui me reste à faire, par contre. Ok. Très bien. Sauvegarde. Donc là, on n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Non, faut pas le tirer, mais il faut le pousser. J'adore comment il se place pour pousser, c'est horrible, c'est magnifique. J'allais dire c'est horrible, non, c'est parce que je voulais dire magnifique en même temps. Mais c'est génial, j'adore comment il se place. Elle prend bien appui quand même sur ses positions. Elle pousse vraiment avec tout son corps. Et là, je peux plus rien faire. Donc c'est là. Et donc là. Suis sûr qu'il y a des pics. Bingo. Je le savais. Oh, c'était chaud. C'est cool, on aura fini avec cette vidéo, on aura fini le Pérou. C'est pas là. Alors attends, par contre, il y a un endroit où on n'est pas encore allé. C'est là. Pourquoi on n'est pas allé là? Qu'est-ce que. Plus. Bah attends. Putain, faut que je regarde d'où est-ce que vient la boule. La boule, elle vient de là. Ah, il me reste encore une porte à ouvrir. Ok. Non, en fait, c'était pas celle-là de porte. C'était les autres, d'accord. Ok, donc c'était j'étais sur la bonne route. Très bien. En fait, sans le vouloir, j'étais sur la bonne route. Très bien. Ah, c'est celle-là qu'on a ouvert de porte. Ah, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. On est passé devant et j'ai pas regardé. Alors, est-ce qu'on va avoir un boss? Oui, je crois qu'on a un boss là. Juste après ça, il me semble. Ah, ben, bonjour. Déjà, tu cibles. Déjà, elle cible les ennemis sur le côté, c'est pas bon signe. Bon, on va récupérer le sion. Je vais pas le récupérer. C'est bizarre, c'est qu'elle est cible, mais ça bouge pas. Donc on va pas le tirer dessus. On va pas le retirer dessus. Hein. Ah si, il faut que je le retire dessus quand même. Ça prouve que j'ai pas vraiment pas de mémoire. Maman, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ce passage? J'ai oublié ce qu'il fallait faire. Mais attends, je m'en rappelle plus. Hein. Attends, je peux passer par le. Attends, est-ce qu'il doit y avoir un passage alors?
Bah, honnêtement, j'ai plus envie. Ah, mais c'est là. C'est là, ouais. Ouais, mais c'est pour ça, mais comme je dis, je confonds trop avec, du coup, avec Tomada et Versailles, ça me fait des... Ça me fait des défauts. Putain, j'ai failli me le prendre à peine terre, à peine voir celui-là. Alors, là, par contre, si j'ai bon souvenir, il y a quand même un petit boss à battre. Mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Allez. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Mais oui. Vous et ce satané morceau de Sion. Si vous y tenez tant que ça, je vais vous le coller dans le. Attendez, vous parlez de l'artefact? Un peu, mon neveu. Je vais vous le. Voilà. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Mais Natla a mis Pierre Dupont sur l'affaire. À quel endroit? Ha! Peut-être pas assez rapide pour lui. Donc je perds du temps à discuter avec vous ici. Moi, je ne sais pas du tout où il court, avec ses petites pattes de pied tendre. Allez demander à Miss Natla. Ouf. Merci. Je vais. Ouais, bah ça va. La tombe non découverte de Tyokan. Oh là, c'est une séquence, c'est une cinématique. Je suis maintenant ici à Saint-Francis et d'autres tentations me tourmentent. Une rumeur parmi mes frères. Prétend que sous notre monastère repose le corps de Tinkan, un des trois monarques légendaires du Tinan perdu d'Atlantide. Et qu'il a gardé son fragment du Sion des Atlantes, le pendentif divisé, partagé entre trois souverains dont les pouvoirs sont si immenses, bien plus immenses que ceux du Créateur. Je suis baigné de sueur en imaginant si proche de ma dépouille mortelle. Chaque nuit, je me flagelle pour chasser ces fantasmes, mais je sais que c'est une épreuve. Pierre, pollueur. Eh ben voilà, on est arrivé au monastère Saint-Francis et j'ai toujours pas de fusil à pompe. J'ai peur d'avoir zappé le fusil à pompe. Voilà. Donc j'ai peur d'avoir pas eu de fusil à pompe dans le bureau. Bref, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je m'arrête ici parce que j'ai un mulon qui, j'ai un tigre qui va m'attaquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi si je me suis planté, si j'ai oublié le fusil à pompe ou pas. Je pense pas, mais il se peut que j'ai oublié. Voilà. Bref, sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour l'aventure. C'était GG Poggy City. À la prochaine. Ciao, ciao.